fais quoi, mon petit loup? Rien, et toi? Moi, je suis là, je mange des boules. À quel âge? Moi, j'ai 23, et toi? Moi, tu me donnes quel âge? Oui, ça, c'est une phrase de meuf, poteau, t'es un garçon. Donne-moi ton âge direct, tu me fais un quiz, là. Juste pour savoir un truc, tu me donnes quel âge? Ça se voit que t'es de la génération puff dans le cul, tout ça, toi. Toi, je te donne un petit 16 ans, toi. Non, j'ai 13. 13? Non! Ouais, là, j'ai 13. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche de la meuf. Mais à 13 ans, tu dois chercher le brevet, tu dois pas chercher de la meuf, là. Je cherche à piler, moi. Mais. T'as craqué ou quoi? Je vais changer de planète, moi. Ouais, j'ai un stream hacker là. Jamel Poskaï. Voilà, t'as la voix d'un TikToker, c'est bon? Ah ouais, il ressemble à quoi? Je sais pas, il s'appelle Jamel le chômeur. Ah ok, c'est un beau gosse? Ouais. Ok, ok. Bah vas-y, je vais te laisser, mon pote. Vas-y, mon pote. Vas-y, ciao. Ah, Jamel Poskaï, donne-moi ton boule. Viens, frère. Non. T'as dit quoi là? Non, c'est pas ce que tu voulais. Non, j'ai dit, oh, je suis en train de devenir ma boule. Je suis en train de jouer un jeu, il me rend fou là. Ça va toi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Ben rien, je suis resté chez moi, j'ai fait le ménage et toi? Ben ça m'étonne pas. Ben moi je suis allé courir, après je suis rentré chez moi, après je suis allé manger, après je suis allé me couper les ongles parce que c'était long, après j'ai voulu aller au coiffeur mais je me suis dit vas-y j'irai demain, après je me suis dit en fait j'irai pas demain parce que ça va, je suis allé il y a pas longtemps, après je suis parti à la banque, j'ai retiré 20 euros, après je suis rentré. La maman. Bon allez ça y est, allez ça. Oui, allô? Ouais. Comment allez-vous? Ouais, comme Salem, ça va et toi? Ah là, ça sort les alikoum Salem, hein? Là, c'est pas un système, là, c'est attends. Alikoum Salem. Ah, espèce de gros BDG. Ah, tu me dégoûtes. Pouh, tiens, je te crache dans l'œil. T'as pas honte d'être un BDG? J'espère qu'il y a des proches de ta famille va tomber sur le clip. Tose. C'est quoi ces bruits d'électricité, là? Tose. Mais je tombe avec un taser, là. Allô? Faut parler, frérot. Tose. T'as un peu abusé mon âge pour être sur cette application, donc j'ai un peu honte de le dire. Pourquoi c'est abusé, genre t'es trop petit ou t'es trop grand? Non, je suis un peu trop vieux. Il rigole comme Woody Woodpecker, voilà, je suis mort. Bah j'ai plus de 30 ans. Ah ouais, tu sais qu'on dirait pas ta voix. Hein. Et toi t'as quel âge? Moi j'ai 23 moi. Ah oui, non mais moi je suis beaucoup plus vieux que toi. Ouais, bah alors, tu crois qu'on va se virer ou quoi, tu me dis ça? C'est bizarre toi poteau. Et c'est qui avec toi, il y a du bruit? Bah c'est ma soeur et mon beau-frère et ma femme. Bientôt ma femme. Le 22 juin c'est sa femme. Mais comment ça, c'est ta femme le 22 juin, t'es avec elle? Tu l'as précommandée, comment ça se fait? Allez, ton père toi. Oh, oh, tu parlerais pas comme ça à une meuf toi, je le sais, toi, vas-y, ciao. Oh, il y a que ça. Oui, allô? Salam, ça va? Comment allez-vous? Ouais, ça va, merci. Tu viens d'où? Ah, je suis mort. Ah, le changement d'humeur. Oh, comment t'es passé de la haine à l'amour comme ça? Après moi, on dirait Pain. Allez, on dirait ta de merde. Arrête. Vas-y, c'est bon, tu m'énerves, ciao. Oui, allô? Salem, ça va? Il est quoi en plus? Oh non, mais toi, t'es vraiment un hamar, toi. Je te bats à la bagarre et sur Fortnite. Moi, je te bats à Valorant, en tout cas. En ce moment, j'ai repris et ça va, je récupère un bon niveau, là. T'es classé quoi? Je suis pas classé. Ah ok, moi, je suis diamant D, ça va pas le faire. Ouais, mais je suis pas classé. Peut-être que si je suis classé, je serai radiant, j'en sais rien. Ouais, je suis la typée, là, où je rêve. Pourquoi tu rigoles? J'ai pas fait de blague encore, j'ai pas commencé là. Là, je suis même pas à l'échauffement encore. C'est avec ma cuisine, pourquoi je rigole? T'es dans la cuisine, ça m'étonne pas, ça c'est normal. Hein? Ah, pagnon. Là, ça se voit, t'es un peu multicolore, mais tranquille, y'a rien. Hein. C'est la mode en ce moment, y'a rien. Multicolore de quoi? Tiens, quand tu fais caca, tu fais caca en arc-en-ciel, toi, non? Non, déjà, je suis algérien et grec en fait. voilà. Ah, c'est quoi ce mélange, voilà? Make me swear. Make me hard. T'es de quelle origine déjà, tu peux me rappeler? Algérien et grec. Eh mais t'as quel âge? Moi j'ai 23. Attends, mais pourquoi tu t'intéresses à mon âge, à moi et tout là? T'es marié? Ouais, je suis marié. Ouais. Arrête, je suis sexement. Bah tu l'appelles? Jamila! Attends, elle va arriver. Oui, allô? Mais c'est un robot ZB. Bah, on a 2023, j'ai envie de te dire. J'ai le droit d'avoir une femme robot, y'en a qui décident d'être des chats. Moi, ma femme, ça a décidé d'être un robot. Est-ce que tu peux me faire un petit bonsoir Paris pour voir si t'es un vrai ou pas? Bonsoir Paris! Yeah! Ah, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Il faut une transition, là. Je peux pas revenir comme ça. Eh frérot, j'ai besoin de conseils, là. Tu te fous pas de ma gueule, j'espère. Non, voilà, je me fous pas ta gueule, voilà. T'as vu, là, en face de moi, là. Là, j'ai une canette de Red Bull abricot fraise dans les mains. Uh-huh. Et moi, j'ai décidé d'arrêter la Red Bull. Mais elle me fait trop de l'œil, là. Est-ce que je la tamponne ou pas? Et j'arrête demain. Demain, promis, j'arrête, par contre. Tu es un homme ou tu es pas un homme? Mais sûr que je suis un homme, t'es con ou quoi? Tu es un homme avec des grosses clés ou tu es pas un homme? Un homme, un rager là, avec un grand rat! T'es un rager, lève-toi mon ami! Là, je suis debout là, vas-y, dis-moi, je dois faire quoi? Debout. Je suis debout! Mais je comprends pas, ça sature à intégrer! Voilà! Vers ce putain de lavabo et vide-moi cette putain de canette!
Non, je peux pas faire ça, frérot, je te jure, je peux pas. Je peux pas. J'ai des PN euros 50 en plus. Tu sais comment j'ai fait pour arrêter la garo, moi, je te partage ça. J'étais en train de fumer avec un collègue à moi. Je fumais la garo comme ça. Je lui dis, putain, la garo, ça me casse les couilles, ça devient de plus en plus cher. En plus, ça me nique les poumons, ça me nique la santé. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es un homme ou tu es pas un homme? Bien sûr, tu es un homme, comme toi. Moi, t'as des grosses clés ou t'as pas des clés ou? Je dis, bien sûr que j'ai des clés, frérot, que tu veux, je nique ça, mère la pute. Il m'a dit, ben, la vie de ma mère, je l'ai fait, j'ai plus jamais racheté un paquet de garo. Il m'a dit, si t'achètes un paquet de garo, t'es une grosse pute. J'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, si je rachète un paquet de garo, je suis une grosse pute. Ça fait deux ans, j'ai pas mis une putain de clé dans ma bouche. C'est bon? C'est quoi cet appel? Il va marquer le début de ma pause de Red Bull. Pas de ma pause, de la fin des Red Bull carrément. Je ne bois plus aucune Red Bull à partir de toi là. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes dans le miroir comme ça. C'est qui ce beau? C'est qui ça? C'est qui ce rageur là? Merci, tu m'as servi de déclic, tu te rends pas compte. Bah vas-y, Abdel, en tout cas, merci frérot, tu parles beaucoup, du coup je vais y aller. Ouais, parce que j'ai pas d'amis, c'est pour ça moi. Ah non, arrête. Oh là là, c'est trop quoi, comme mignon. Pourquoi t'as pas d'amis? Ouais, je vais t'éclater, Jamal, il y a tout quoi, ça compte au milieu. T'es un monstre, Jamal, voilà. Vas-y, Abdel. Ah là là, enfin il est parti. T'es proche tombé ou pas? Pourquoi t'es tombé? J'ai volé dans un Aldi, le Covigil, là, le mec, il est nu. Je baisais sa grand-mère et après j'ai niqué un condé. J'ai pris 3 ans d'enferme et 12 mois de sursis. T'as volé dans un Aldi? Le mec de la sécurité, il t'a embrouillé, tu t'es battu avec lui, la police est venue, tu les as frappés? Oui, après ils m'ont attrapé. T'es complètement malade. Et t'es en prison pour combien de temps là? Bah là, ça fait un an et demi, si j'ai un mois, c'est un an et demi. Ah ouais. Et c'est quoi que t'as volé dans le Aldi? Des glaces. Des quoi? Des glaces. Ouais, il a pris 3 ans pour des glaces, voilà. C'était quoi les glaces au moins? C'était quelle marque? Des glaces Aldi, le frère. Oh, j'ai fait trop les crocs. T'as frappé un policier aussi, t'es con quoi? Voilà, j'étais matrixé, j'avais plus mes glaces. Hey, il a pas eu ses glaces, il va être rouge. Au tribunal, genre, quand t'as eu ton procès et tout, la juge, elle a parlé de l'affaire des glaces et tout, genre, elle a dit, il a volé des glaces. Ouais, et en plus, mon avocat, c'est un fils de pute, s'est foutu de ma gueule. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu m'avais pas dit que c'était pour des glaces. T'as une des raisons de prison la plus drôle de France là. J'ai volé des glaces à Aldi. De toute façon, il me reste un an et demi. Après, je vais retrouver Vivi, je vais niquer sa mère. Il a rien compris. Bah ouais, le frère, j'ai pas mes glaces de Aldi, ça fait un an et demi. Tu t'appelles comment? Yanis. Ah bah y'a que vous pour faire ça de toute façon. Bon, allez, Mr. Freeze, je vais te laisser moi. Ouais, j'étais le mec de TikTok toi. Ouais. C'est quoi mon ref? Ça va tranquille, où et toi? Tu t'appelles comment déjà? Kamel ou. Ah, Jawed, Jawed. Ah, Jawed, nique ta mère, Jawed. Je m'appelle pas Jawed. Tu veux tellement parler aux femmes ou aux hommes? Ah, je suis mort. Et toi, tu t'appelles comment? Alia. Moi, tu sais, je m'appelle comment, moi? Je m'appelle... Ravus! Allô? Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. C'est... doux? Ouais, merci, je sais. Toi aussi? Non, t'es doux. Moi, je suis de Marseille. Toi, t'es de Marseille? Ouais. Double monstre. Tu connais Double monstre? Je connais. Vas-y, lâche un petit triple monstre, là. Triple monstre. Triple monstre. On applaudit! Ouais, on applaudit! Ah, j'applaudis pas des mecs, hein. Quoi? Bon, avis. Ah, allô? Oui. Tu me coupais la parole en fait. Je suis en train de parler avec mes potes à la compote là, mais vas-y, c'est pas grave, super. Tu t'appelles comment? Bah, excuse-moi, tu raccroches si tu veux pas qu'on te coupe la parole. Hein. Quand tu te coupes la parole. Je pensais que ça allait passer inaperçu. Mais Starfall, là, le rire. Mais hein? Non, rien. Waouh, beau rire, hein? Ah, et du coup, là, c'est moi qui bégaye, c'est toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sarah et toi? Sarah, oh le prénom pas original. T'es avec qui là? J'entends, il y a des bruits avec toi, t'es avec quelqu'un? Je suis avec cousine. Non, je t'ai pas dit t'es où? Ah, t'es avec ta cousine. T'as des problèmes d'audition. Non, non, j'ai compris que je suis dans ma cuisine. Comme t'es une femme en fait, je pensais que t'étais à ta place. Pero tu eres espagnol? Si, mi amo Jamelito et tout. Antonio. Antonio, hola Antonio. ¿Cuántos años tienes, mi amigo? 14. 14? Tu es una pequeño? Yo soy pequeño, pero yo tengo un grande corazón, la verdad. Oh, molto bueno, amigo, ok? Te habla muy rápido por mí. Repetir, ok? Repetir. Marge, ramène-moi des donuts sucrés au sucre. Ramène-moi un sushi. Je suis en train de déconner, plutôt. Pourquoi tu déconnes? Shabbat. Mais pourquoi tu bois? C'est quoi? Tu veux noyer ta peine? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas boire juste comme ça parce que tu kiffes ça. Non, c'est ça, je veux noyer ma peine. Ta peine de cœur ou? Non, la famille, ma mère, elle est décédée, elle est morte. Ben justement, dis-toi, est-ce que ta mère, elle serait contente de te voir comme ça? Non. Je
suis perdu, subhanallah, j'ai perdu mon frère. T'as quel âge? 17 et tout. Ouais, j'étais petit en plus. Je sais que c'est facile à dire, ouais, faut pas boire, c'est pas bien et tout. Mais des fois, dans la vie, il y a des trucs durs qu'il faut arrêter. C'est comme, regarde, un mec qui est gros, pour maigrir, il doit aller à la salle, il doit galérer, t'as vu? C'est pas facile d'aller à la salle et tout, ça va être dur. Mais le résultat derrière, il va récolter les fruits de ses efforts derrière. Et plus tu continues de boire, ben plus tu vas être accro et plus tu vas galérer à t'arrêter. Ouais, j'ai capté. Ouais, en vrai, t'as raison, frère. Voilà, t'as raison, il faut que j'arrête mes conneries, frère. Je me retourne vers Dieu. T'as raison. C'est le seul moyen que j'ai pour oublier, frère, mes problèmes, poteau. Eh non, justement, ben comme t'as dit, c'est Dieu qui peut régler tes problèmes. C'est lui qui te les a créés, ces problèmes. Qui peut te régler tes problèmes si ce n'est celui qui te les a créés? C'est pas un buvant qui vont se régler. Ils vont toujours être là, juste tu vas les oublier, comme un doliprane. T'as mal, mais ça va te faire oublier la douleur. Déconne, t'as dit, je suis de la merde, mais. C'est bien si tu t'en rends compte. Il y en a plein, ils sont dans ton cas et ils se voient la face. Ils se disent, vas-y, toi, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi boire. Là, ils se mettent à battre. Non, mais je sais, frère, mais j'aimerais tellement arrêter mes conneries, frère. Ouais, j'aimerais tellement remplir ma merde là où elle est, tu vois. Eh ben, comment se mène? T'as une bouteille avec toi, la tête, là, maintenant, là. Comment se mène? C'est à rien de se dire, vas-y, plus tard. Tu vas jamais être dans le plus tard, en fait. À chaque fois, tu vas dire plus tard, le plus tard, il arrivera jamais. Je m'engage de maintenant. Je bois plus de la soirée, c'est bon. Non, pas que de la soirée. Bois plus de ta vie, ça y est, ça te sert à rien. Viens, viens, on règle les choses autrement que l'alcool. T'es la bouteille maintenant, viens, tu bois plus. Eh ben, j'ai que la bouteille. Bon, là, j'ai pu boire. Eh, oublie pas, parce que t'as vu, là, je vais me barrer, je vais faire ma vie, toi, tu vas faire la tienne. Il y a des moments où tu vas vouloir retomber dans ça. Rappelle-toi, oublie pas, reste fort. J'ai pu boire, lève, j'ai pu boire. Dis-moi, c'est quoi l'animal le plus raciste? Dis-moi. Attends, je réfléchis. Alors là, est-ce que je peux avoir un indice ou pas? On peut en trouver au cirque. Au cirque, l'animal le plus raciste, on peut le trouver au cirque. C'est un ours polaire. Non, c'est le panda, il n'y a que des bambous là. Le panda, ça mange quoi? Des bambous là. C'est quoi l'animal le plus raciste? Le panda. Ouais, Jamel le chômeur. Oh, comment tu m'as reconnu? Je connais, je regarde les vidéos et tout. Tu peux me faire un petit pipi ou quoi? Tu connais le coup du pipi? Bah ouais, je connais. Ah, j'ai pas de bouteille d'eau et de verre avec moi. Il me faut une bouteille d'eau et un verre. Je peux pas me faire la kiff. Tu te fais le coup du pipi? Ouais, fais-moi kiff, s'il te plaît. Je ramène une bouteille d'eau. Je suis là, je bouge pas. Bah vas-y, bouge pas, je ramène un verre. Allô, mon petit scatophile, t'es toujours là? J'attends que ça. Ok. T'es prêt? Tu veux en faire la mise en scène et tout avec ou pas? Vas-y. Tu veux en faire la totale, toi? Vas-y, fais-moi la totale. Ok, ben. Ouais, allô, mon pote, je vais aux toilettes, ça te dérange pas, je te prends avec moi? Mais non, t'es sérieux? Allez, c'est bon, c'est juste un petit pipi, quoi. Ah, vas-y, je veux rien entendre. Ok, t'entendras rien, promis. Vas-y. Et sinon, toi, tu t'appelles comment, toi? Allô, faut parler. Ouais, Yacine. Yacine, t'aimes bien le pipi, Yacine? Franchement, c'est super cool. Ok, attends, je vais boire mon pipi maintenant. Oh putain. Mais pipi, c'est trop bon. C'est bon, ah merci, voilà, Yacine, t'as vu ce que tu me fais faire? Je peux toujours écouter un freestyle, bon. Vas-y, hein. Mais si c'est nul, je vais te dire que c'est nul, hein. Vas-y, mais écoute jusqu'au bout, parce que les autres, après, ils quittent et tout. Vas-y. C'est des salopes un peu. Ouais, vas-y, t'inquiète. C'est pas qu'on se spéta tous les temps, en pétant les cousins d'un couteau, la plaquette, je la détale. De sur la moto, à descendre dans l'auto, en pétant tout ça, t'éteins, en bas de chez toi, voilà l'arraché que des talents. Moi, c'est un fils de pute. T'as dit quoi, là? Mais non, mais vas-y, frère, il y a un autre gars avant, voilà, j'étais en train de faire un freestyle, j'étais en plein dedans, et là, il me coupe ce bâtard, il me swipe. Non, vas-y, moi, je t'écoute, frérot, vas-y, mais si tu veux, je t'écoute. Jure, tu m'écoutes. Vas-y, écoute-le. T'inquiète pas qu'on se spéta tous les temps, un pétard, il pose le couteau là, fils de pute. Ah oui, ta gueule. Chulé. C'est vraiment un chulé, ce mec. Je t'en plein dedans et là, frère.